Qu'est-ce que c'est que la démarche territoire hautement citoyen en région Centre-Val de Loire ? L'objectif, c'est de faire vivre une démocratie permanente dans un territoire pilote, une expérimentation qui va durer un an, qui est en fait issue directement des élections régionales de décembre 2015 en région Centre-Val de Loire, avec l'élection de François Bonneau en président de la région, qui a délégué à Charles Fournier, le vice-président délégué à la démocratie, une mission de s'engager pour un progrès démocratique qui s'est traduite avec un rapport en juin 2016 qui a été voté par la séance plénière donnant une vision, un objectif d'aller vers une région participative et citoyenne, presque hautement citoyenne, avec comme objectif d'enrichir le schéma de gouvernance actuel du territoire d'aller vers vers un progrès démocratique, vers une plus grande place des citoyens dans ce schéma de gouvernance. Donc ce qui a été fait, c'est que Charles Fournier, le vice-président délégué à la démocratie, a missionné le Conseil régional de la jeunesse et le Conseil économique, social et environnemental régional pour leur poser cette question de comment est-ce qu'on fait évoluer la démocratie dans la région. Et au-delà de cette saisine du CESER et du CRJ, on lance une expérimentation qui va durer un an pour travailler cette question de la démocratie dans le territoire, cette question de la démocratie permanente. Donc il y a déjà eu des rendez-vous qui ont eu lieu, notamment le 14 novembre 2016, avec des acteurs intéressés par le sujet, qui ont pu préparer, co-construire, débattre et se rencontrer autour de cette question de la démocratie permanente. Et puis un partenariat qui est noué entre l'association Démocratie Ouverte et la région Centre-Val de Loire autour du programme Territoire Hautement Citoyen. Et pourquoi un partenariat ? Parce que l'association Démocratie Ouverte porte des valeurs d'aller vers plus de transparence, vers plus de participation citoyenne, vers des logiques plus collaboratives dans la manière de faire des politiques. Donc la région adhère à ces valeurs. Ça permet de signer une convention de partenariat dans laquelle on peut décrire chaque engagement et des acteurs de la région et des acteurs de l'association. On est avec Territoire Hautement Citoyen sur une logique de recherche-action et d'expérimentation avec un caractère inédit, donc on va chercher à innover sur ce territoire et à documenter tout ce qu'on fait pour que les innovations qui vont ressortir de cette année d'expérimentation puissent servir à tous, à d'autres territoires et aussi aux innovateurs démocratiques ou aux acteurs régionaux. Démocratie Ouverte, qu'est-ce que c'est ? C'est un collectif qui regroupe beaucoup d'innovateurs démocratiques. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lance aujourd'hui un appel à cette communauté des innovateurs démocratiques, ainsi qu'à la communauté des citoyens du territoire, en leur disant, et en vous disant à vous, venez expérimenter dans cette région Centre-Val de Loire. Là, la porte est ouverte pendant un an pour faire vivre ensemble, pour inventer ensemble une démocratie permanente. Pourquoi permanente ? Parce que l'idée, c'est de dire que la démocratie, elle doit exister entre les moments forts des élections et que c'est au sein des territoires que cette démocratie a le plus de chances de se réinventer, de se renouveler et de répondre aux gros défis qu'on a à relever en commun. On se donne un défi pour faire ça et on rentre dans une méthode qui est la méthode de territoire hautement citoyen, qui est une méthode de recherche-action, d'expérimentation, de test de nouveaux dispositifs, qui est une méthode avec un véritable engagement politique. Donc il va y avoir un grand moment de lancement, vous pouvez noter la date, ça va être le 11 janvier 2017, dans la région Centre-Val de Loire, on va lancer cette démarche de territoire hautement citoyen avec une signature de la déclaration des territoires hautement citoyens par le président de la région, par l'élu en charge de la démocratie, peut-être par d'autres acteurs régionaux. Cette déclaration, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'on reconnaît que la démocratie finalement dysfonctionne sur de nombreux points, à toutes les échelles. On reconnaît qu'on a un nouveau modèle, un nouveau monde qui est en train de s'inventer, notamment le numérique change la manière dont on peut se représenter le monde et la manière dont on peut s'engager dans la société. On reconnaît que seul un engagement direct, local et massif des citoyens va permettre de répondre aux énormes défis politiques, sociaux, économiques et environnementaux qu'on doit relever collectivement. Et du coup, en signant cette déclaration, les élus, les associations, les entreprises s'engagent à favoriser l'implication des citoyens, les logiques de bien commun, les systèmes pair à pair, l'ouverture des données et des formats, le recours à l'intelligence collective, aux logiques de coopération et au principe du coup d'horizontalité. Et les acteurs s'engagent à agir dans cette direction vers une transition démocratique pour aller vers plus et mieux de démocratie à l'échelle locale. Ça, c'est l'engagement, on va dire, politique. Derrière, il y a une méthode
qui est une recette libre de territoire hautement citoyen, qui consiste à faire un diagnostic démocratique, savoir comment fonctionne la démocratie aujourd'hui, et une cartographie des forces citoyennes sur lesquelles on peut s'appuyer, à définir ensemble et à représenter une vision de la manière dont la démocratie pourrait fonctionner demain dans l'idéal, à construire ensemble une stratégie, un plan d'action pour partir de là où on est aujourd'hui et aller vers cette vision, et pas y aller uniquement en planifiant les choses, mais aussi en les expérimentant, en faisant finalement de l'essai-erreur au quotidien et donc en testant des nouveaux dispositifs. Donc cette année d'expérimentation, ça ne va pas être juste pour définir une vision et des nouveaux outils, ça va être aussi pour les tester concrètement sur le terrain et pour permettre une évaluation des meilleurs outils, des meilleures méthodes, des meilleures manières de faire de la politique plus proche des citoyens. Donc il y a une logique de tableau de bord et d'évaluation indépendante de toute cette expérimentation-là. Quand on prend aujourd'hui, quand on regarde un petit peu tous les dispositifs démocratiques qui existent, il y a énormément de choses. On entend beaucoup parler de budget participatif, de boîte à idées, de plateformes d'intelligence collective en ligne, de civic tech, de youtubeurs qui viennent raconter la politique différemment, du théâtre forum, etc., etc. Et en fait, là, l'idée de ce programme et de cette expérimentation d'un an, ça va être de tester des dispositifs pour choisir ceux qui sont les plus adaptés au contexte régional dans lequel on est et de combiner, d'organiser une bonne combinaison de ces différents outils, de ces différents dispositifs pour avoir une offre d'implication citoyenne la plus précise et étendue possible auprès des citoyens de la région. Qu'est-ce qu'on va faire très concrètement ? On va partir, on se donne un défi qui est de partir sur une tournée. Donc, pendant 6 semaines, qui vont être réparties entre janvier 2017 et juillet 2017, on va partir dans les 23 bassins de vie de la région Centre-Val de Loire avec un bus de la démocratie ou un véhicule qui va vraiment aller dans le plus proche des territoires. Et on aura une journée entière consacrée à un bassin de vie avec à l'intérieur un moment fort qui est une agora qui va sûrement se passer en fin d'après-midi ou en soirée dans lequel vous êtes, tous les acteurs du territoire sont invités à venir participer à ces agoras. Et il va y avoir aussi des dispositifs, des outils de mobilisation citoyenne qui vont être testés, peut-être sur les marchés, dans les lycées, dans les entreprises, dans les associations, où on va tester des nouvelles manières de se mobiliser et de s'impliquer. On va tester des outils et des méthodes de co-construction de politique publique, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler que de démocratie, on va aussi parler de sujets concrets, de l'alimentation, des déchets, des transports, et on va tester ces nouveaux outils et ces nouvelles méthodes de participation citoyenne sur ces thématiques-là. Et puis, on va tester des outils et des méthodes de mise en débat pour que tout ce qu'on va pouvoir construire et co-construire soit complètement diffusé dans les territoires avec un large débat public autour de cette co-construction. Donc, quand on prend ces agora et cette tournée de la démocratie, il faut bien voir qu'il y a deux choses. Il y a l'innovation et la créativité sur tout ce qui va être la forme, j'ai envie de dire, la manière dont on va mobiliser. Est-ce qu'on va faire des campagnes d'affichage, des comptoirs citoyens qu'on vient mettre sur les marchés, du porte-à-porte, des vidéos virales? On va sûrement tester plein de dispositifs de mobilisation, de co-construction, des forums ouverts, des World Café, des barcamps, des conférences de consensus et de mise en débat, des agora en plein air, du débat mouvant, du parlement de rue. Ça peut être, voilà, tous ces outils-là vont être testés dans la forme, mais sur le fond, on va travailler aussi différents sujets. Le sujet de la nouvelle démocratie à l'échelle de la région, mais aussi des sujets de politique publique. J'en ai énoncé quelques-uns tout à l'heure, l'alimentation, la santé, la formation, les déchets, les déplacements, l'égalité des territoires. Et donc de tout ça, on va produire des idées, des propositions, des envies qui vont nourrir des panels départementaux. Donc c'est un petit groupe représentant de la diversité des acteurs de chaque département qui va récupérer toute cette matière et pouvoir la travailler pour en faire des recommandations, une vision, un plan d'action. Donc que ça soit sur les agora ou sur les panels, aujourd'hui on est en train de les constituer et donc on invite aussi tous les acteurs de la région à venir co-animer les agora et à venir constituer les panels départementaux qui vont travailler cette matière démocratique issue du territoire.
en plus de ces agora, de cette tournée démocratique, de ces panels, il va y avoir aussi une plateforme en ligne d'intelligence collective, de démocratie permanente, sur laquelle on va pouvoir retrouver toutes les informations, tout ce qui aurait été produit, toutes les données, mais aussi sur laquelle on va pouvoir participer directement avec une logique de boîte à idées, mais avec aussi des logiques d'intelligence collective plus fines, plus précises. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver sur cette plateforme une cartographie des acteurs, de citoyens du territoire, vous allez pouvoir retrouver plein d'éléments en ligne. On a un YouTuber qui va nous aider à raconter tout ce qui va se passer sur cette année d'expérimentation. Et puis on va faire aussi appel à des graphistes, à des designers pour représenter tout ce qui va être construit de manière graphique et que ce soit des objets, des choses qui circulent facilement en ligne sur les réseaux sociaux et qui soient les plus faciles à comprendre. Donc on va éviter de mettre trop de textes ou trop de discours politiques, mais mettre plus de schémas et de visions dessinées. Tout ça, ça va aboutir à quoi ? Ça va aboutir à une grande fête de la démocratie, à un événement de synthèse, de conclusion, où on tire les enseignements, où on fait un bilan qui aura lieu sûrement à la rentrée 2017, en septembre ou en octobre, et qui va permettre plusieurs choses, qui va permettre à la collectivité sûrement de construire une charte de la démocratie, d'organiser des nouvelles instances ou d'utiliser des nouveaux outils pour faire sa politique régionale. Mais aussi, l'objectif, c'est de dépasser ce qui concerne directement la région pour profiter de cette année d'expérimentation et d'essais erreurs pour lancer des vraies dynamiques citoyennes autonomes qui répondent par elles-mêmes aux gigantesques défis environnementaux, sociaux, économiques du XXIe siècle dans les territoires, dans la région et j'ai envie de dire de manière un peu indépendante de la région et du conseil régional lui-même. Donc si je résume la méthode, on a un lancement le 11 janvier, notez la date dans vos agendas et venez le 11 janvier en région Centre-Val de Loire. On a 6 semaines de tournée dans les territoires avec 23 agora dans 6 départements qui produisent de la matière qui va être réutilisée par des panels départementaux. On a dans ces tournées possibilité et opportunité d'expérimenter des outils, des méthodes et des dispositifs. Donc c'est là-dessus qu'on a envie que les acteurs de l'innovation démocratique viennent expérimenter avec nous dans ces territoires les outils qu'ils peuvent avoir développés et les méthodes qu'ils peuvent avoir déjà expérimentées. Et puis on a une plateforme web, des vidéos, des visions dessinées qui vont être là tout le long de l'expérimentation. On a la saisine du Conseil économique, social et environnemental régional, du Conseil régional de la jeunesse. Tout ça, ça vient alimenter un débat, une synthèse qui va produire des actions et permettre à des actions citoyennes de se pérenniser et puis permettre une délibération et des décisions pour nourrir les politiques de la région et notamment la manière dont la démocratie fonctionne, mais aussi des politiques thématiques. Tout ça, ça vient alimenter aussi, et ça vient en complément de ce qui a déjà été fait dans la région. Il y a notamment des états généraux de l'économie qui ont été faits, des états généraux du numérique, de la culture, sur le tourisme, sur la formation tout au long de la vie. Tout ça, c'est pas du tout des choses qui sont ignorées, mais c'est des choses qui viennent alimenter aussi ce processus global d'expérimentation. Et on a différents acteurs sur le territoire qui sont mobilisés là-dessus, déjà au sein du conseil régional. Il y a un comité de pilotage dans lequel il y a des élus, il y a le président de la région, il y a Charles Fournier, l'élu en charge de la démocratie, mais il y a aussi d'autres élus représentatifs de la diversité de l'Assemblée du Conseil régional. On a un cercle des référents internes à la région, ça c'est les agents publics de la région, parce qu'on ne peut évidemment pas réussir une telle expérimentation d'une telle ampleur sans réussir à impliquer fortement les agents de la collectivité, donc on a des référents internes dont c'est l'objectif, dont c'est le rôle. On a un comité de suivi qui là est plus un pied dans l'institution, un pied à l'extérieur. Dans ce comité de suivi, on retrouve des membres du Conseil régional de la jeunesse, des membres du Conseil économique, social et environnemental régional, on retrouve des membres du mouvement associatif, on retrouve des élus, on retrouve des agents de collectivité, donc là c'est vraiment pour faire le lien entre le Conseil régional et l'extérieur. Et puis on a une équipe projet constituée de manière égalitaire entre des personnes de la région, élus et agents, et des personnes de l'association Démocratie Ouverte et des innovateurs démocratiques de l'écosystème, que ce soit régional ou national, proche de Démocratie Ouverte. On a aussi un comité d'experts.
qui est composé de chercheurs, de personnalités, d'acteurs de l'innovation démocratique, que ce soit régionaux ou nationaux, qui vont être mobilisés tout au long de la démarche pour apporter des éclairages, apporter des points de vue, des idées, et donc guider aussi la démarche. On a les 6 panels départementaux auxquels vous êtes invités à participer. Là, on lance un appel aussi à ceux qui veulent faire partie de ces panels départementaux. Il y aura un tirage au sort qui sera fait pour choisir les personnes du panel départemental. Et puis, des cercles de co-animateurs des agora locales, c'est-à-dire que sur votre bassin de vie, si vous habitez la région, il va y avoir forcément un moment une agora, la tournée démocratique va passer dans votre bassin de vie, et on recherche des gens qui viennent co-animer les agora locales et qu'on va former pour, avec des nouveaux outils et des nouvelles méthodes d'animation pour faire ces agora locales dans lesquelles on va travailler la question de la démocratie et des politiques publiques. Tous ces acteurs seront présents sur une carte ouverte, en ligne, collaborative, avec une logique de crowdsourcing, c'est-à-dire que chacun va pouvoir rajouter des organisations et des acteurs sur cette carte des acteurs citoyens de la région. Et puis, comme il va se passer beaucoup de choses en ligne, on est aussi en train de constituer un cercle des geeks, tous ceux qui veulent participer à l'animation de la dynamique en ligne, que ce soit sur la plateforme d'intelligence collective ou sur les réseaux sociaux, ou sur la cartographie des acteurs, par exemple. Voilà la démarche qu'on est en train de lancer, là, c'est quelque chose qui va vraiment prendre une grande ampleur à partir du lancement du 11 janvier. Vous êtes les bienvenus pour y contribuer de manière active, que vous soyez des membres des Civic Tech, que vous soyez des membres de l'éducation populaire, du développement territorial, des membres du milieu associatif ou de l'entrepreneuriat social, de l'économie sociale et solidaire. Toute cette démarche vous concerne parce qu'on parle de ce qui est central, de la démocratie, et on fait le pari que c'est pas à l'échelle nationale qu'on va pouvoir repenser la démocratie, que c'est à l'échelle locale que ça se joue. Et donc là, on a une super opportunité pour lancer une dynamique assez massive et profonde de renouveau démocratique et de démocratie permanente. Vous êtes les bienvenus dans la démarche et on vous attend.